À propos des équations paramétriques du premier degré. Par exemple, quand l'âge grand M d'une personne sera-t-il le double de l'âge petit m d'une autre personne? Cet âge mène vers cette équation-là. Et cette équation-là, c'est une équation du premier degré qui contient les deux paramètres petit m et grand m. Petit m et grand m, ce sont des nombres dont la valeur peut changer selon les circonstances. Donc, cette tâche mène vers une équation paramétrique du premier degré à une inconnue. Et un paramètre, c'est un nombre dont la valeur peut changer selon les circonstances. Un exemple du cours de physique, l'accélération de pesanteur g. La valeur numérique de ce nombre g peut changer. Nous savons que pour un corps en chute libre, la distance parcourue se calcule par ce paramètre g fois le carré du temps divisé par 2. Bien sûr que l'unité d'une distance est mètre, l'unité du temps c'est seconde, et l'unité de l'accélération de pesanteur c'est mètre par seconde au carré. Tout corps en chute libre tombe de plus en plus vite, de plus en plus vite, et le fait que la vitesse croît s'exprime justement par cette accélération de pesanteur. L'accélération de pesanteur a la valeur 9,81 mètres par seconde au carré en Belgique. À l'équateur, cette accélération de pesanteur vaut 9,78 mètres par seconde au carré. Et au pôle nord, elle vaut 9,83 mètres par seconde au carré. Donc, l'accélération de pesanteur g varie du lieu où on observe la chute libre. Et par conséquent, ce g est bien un paramètre puisque sa valeur change selon les circonstances. Un monsieur qui s'est fort occupé de la chute libre et de l'accélération de pesanteur, c'est le scientifique italien Galileo Galilei. Voyons maintenant un exemple de discussion d'une équation paramétrique. Celle-là. L'équation paramétrique, c'est m fois x moins 3 divisé par 2 est égal à x plus 4 divisé par 3, et ce, pour n'importe quelle valeur du paramètre m. Donc l'inconnu, c'est le x, et le paramètre, c'est le m. Nous commençons la résolution de cette équation comme on fait toujours, c'est-à-dire le 3 qui divise à droite, on va le mettre à gauche où il va multiplier, et le 2 qui divise à gauche, on va le mettre à droite où il va multiplier. Ce 3 va multiplier ce binôme, donc ça donnera 3mx moins 9, ceci, et ce 2, on le met aussi de l'autre côté, où il va multiplier le x plus 4, et ce produit donne 2x plus 8. Maintenant, comme d'habitude, on met tous les termes en x à gauche et les termes indépendants à droite. Voilà, c'est fait. Et à gauche, on a pu mettre le x en évidence, vu qu'à gauche, il n'y a plus que des termes en x. Donc le 3mx moins 2x s'est transformé en 3m moins 2 fois x. Et c'est ici qu'il faut faire attention maintenant, parce que, pour continuer la résolution, on souhaite diviser par ce nombre 3m moins 2. Mais pour pouvoir diviser par ce nombre, on doit être sûr qu'il n'est pas nul. Or ça, on ne le sait pas. Ça dépend de la valeur de m. Donc c'est ici qu'il faut commencer la discussion selon la valeur du paramètre m. Commençons cette discussion. Premier cas, si ce coefficient de x est nul, c'est-à-dire si m est égal à 2 tiers, alors l'équation que voilà devient 0 fois x est égal à 17, et on ne peut pas diviser par 0. Mais regardons l'équation qu'on a obtenue. Nous cherchons toutes les valeurs de x qui vérifient cette équation-là. Or, peu importe la valeur réelle de x,
0 fois tout nombre réel x, ça donne toujours 0 et jamais 17. Par conséquent, il n'y a pas de valeur de x qui vérifie cette équation, donc l'ensemble solution c'est l'ensemble vide et l'équation est impossible. Regardons maintenant le deuxième cas. Si ce coefficient de x n'est pas nul, c'est-à-dire si m ne vaut pas 2 tiers, alors on peut diviser par cette parenthèse-là. Et alors x devient 17 divisé par 3m moins 2. Ainsi, nous avons trouvé la solution x en fonction du paramètre m. N'oublions pas de mettre cette solution dans l'ensemble solution. Et voilà, la discussion est déjà terminée. Mais à quoi bon? Mais imaginons que dans un exemple, la valeur de m vaut 1. Regardons dans la discussion. D'abord, dans quel cas nous nous trouvons? Mais si m vaut 1, c'est que m ne vaut pas 2 tiers. Donc nous sommes dans le deuxième cas. Et si m ne vaut pas 2 tiers, alors voilà la solution. Solution dans laquelle il suffit de remplacer ce m par sa valeur actuelle, et la solution c'est alors 17 divisé par 3 fois 1 moins 2, c'est-à-dire 17. Et si jamais, dans un autre exemple, m vaut 5, alors nous sommes toujours dans le cas où m n'est pas 2 tiers. Donc dans la solution finale, on remplace simplement là le m par 5, ce qui donne alors 17 divisé par 15 moins 2, d'où la valeur de x. Donc finalement, discuter une équation paramétrique sert à résoudre beaucoup d'équations du même type en un seul coup. Prenez une autre valeur pour m, par exemple 10, on est dans ce cas-là, on remplace m par 10 et on trouve de suite que la solution c'est 17 divisé par 28. Plus besoin de résoudre l'équation, on voit tout de suite la solution. Prenons par exemple pour m 2 tiers, mais alors attention, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans ce cas-là. Et alors l'équation est impossible.